Bon, faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Salut à tous, c'est L7C Fox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ETS2 et plus exactement sur L7C Fox sur les routes de France où on va attaquer l'épisode numéro 37 avec encore une fois de plus beaucoup de choses à vous dire. Et oui, beaucoup de choses à vous dire, mais la différence c'est la... Ce qui va faire partie des petites nouveautés, c'est qu'on va démarrer tout de suite. Voilà, on va pas perdre de temps. Voilà, on se met au volant du camion direct. Et puis, on y va. J'ai récupéré ma feuille de route. Hein, on est toujours à Rennes. On avait terminé notre livraison à Rennes. On va repartir de Rennes. Je viens de récupérer ma feuille de route. Et on est toujours chez TPS Mondial à ETS. Voilà, de la Mazinger Truck Shop au garage. Allez, on y va. On va aller chercher notre cargaison pour attaquer tout de suite. Allez hop, il n'y a personne, on y va. Et en même temps, ah oui, c'est la différence, c'est que je vais vous parler tout en roulant. Alors je vais essayer de ne pas me casser la gueule, tout en roulant de toutes ces nouveautés. Ah si, on va passer, allez hop, on va passer, c'est bon. J'avais le temps finalement. Hein. On va aller chercher notre cargaison qui est un tout petit peu plus loin. Alors, je vais quand même récupérer la livraison, la cargaison plutôt, et on commencera à voir tout à l'heure. Hein, moi, je mettrai les rétros, je mettrai le GPS, et comme ça, on verra ensemble de tout ce que j'ai à vous dire, les petits changements notamment qui ont été pris en compte depuis la vidéo numéro 35 et 36 que j'avais tourné à la suite l'une de l'autre. Hop, on va passer doucement. Hop là, ça remue pas mal. Allez, on y va direct. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir. On m'a dit que c'était un convoi exceptionnel. Ouh, oui. Ouh, oui, ouh, oui, oui. Voilà. Ouh là, il y a du bruit dehors. Il y a du bruit, il y a du bruit. Ah oui, on a un sacré engin Caterpillar. Bon, allez, on va prendre ça. On va se remettre dans la cabine. Hop là. Alors je sais qu'il faut qu'on aille à Reims. C'est bien, je parle les cheveux au vent. Je parle... Hein? Uh oh. Uh oh. Pourquoi ça ne passe pas? Ah oui, ben oui, que je suis bête. J'ai essayé de passer dessous. Voilà, elle a glissé comme un... Elle a glissé et puis elle s'est mise en place. Voilà, allez, c'est parti. Bon, on a un sacré truc. Hein. Alors, tant qu'on est là... je vais en profiter, je vais mettre les warnings. On va faire un retour à l'intérieur, voilà. Et ce que je vais faire, je vais en profiter pour mettre, bon, les feux de position, on va les laisser. Je vais mettre les gyrophares parce que c'est quand même un sacré truc. On va afficher le GPS, il est 13h30 de l'après-midi. Enfin, 13h30, on va commencer le début d'après-midi. Et je vais afficher les rétros, voilà. Alors, on va faire quand même une vue extérieur pour voir encore l'engin qui est assez impressionnant quand même. Alors c'est rare quand on voit ça. C'est rare dans les vidéos de ETS 2. C'est rare qu'on voit un tel chargement. Bon, c'est quand même assez imposant. Et puis en même temps, ce qu'on va faire, je vais afficher la carte quand même pour que je voie où il faut aller. Ah oui, il y a quand même de la route Reims. Ok, si je reviens sur la page, alors on a, voilà, All Truck, récompense, d'accord, bon, allez, on y va, c'est parti. Je vais enlever les warnings, puisqu'on est parti, j'ai quand même les gyros. Bon, voilà, alors ça y est, on est en route, direction Reims. Je ne pense pas qu'on fasse le tout en une seule fois. Oula, ça va être chaud là. Ça passe ça? Ah oui, ça passe, mais alors... Bon, si, ça passe, mais il faut que je prenne assez large. Hein. Je sens qu'on va rigoler, je sens qu'on va rigoler. Je sens qu'on va rigoler, que mon Volvo va en chier. Ah oui, ça c'est clair. Allez, ben on y va. On prend, hop. On va y aller quand même doucement parce que je crois que c'est de cette envergure, c'est la première fois que j'ai un chargement aussi important. Regardez-moi ça. C'est quand même assez hallucinant.
Ah ouais, c'est bien foutu quand même, j'aurais pas pensé. Bon, la texture un peu du Caterpillar est un petit peu crade, mais non, mais c'est ça, c'est les bonnes couleurs. Hein. On pourrait dire que non, mais c'est les bonnes couleurs. Allez, bien, on y va, hop. Je prends là, c'est bon. Et on va se recaler dedans. Alors, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Alors, dans cette vidéo numéro 37, que j'attendais avec impatience, même depuis que j'ai eu commencé la numéro 35, mais tout simplement, je savais que j'allais tourner la 36, mais que je n'allais pas voir les commentaires. Bon, là, ça va être tendu. Hein. Alors, je vais peut-être m'arrêter de temps en temps de parler pour me concentrer un peu. Parce que là, il faut pas que je déconne. Hein. Et en fin de compte, j'ai récupéré tous vos messages de la numéro 35 et de la 36. Et j'ai essayé, ça y est, ça commence, ça touche de l'autre côté. Et j'ai essayé de, comment dire, de répondre déjà à tous vos messages dans les vidéos, dans la vidéo 35 et 36, dans les commentaires. Plus, j'ai tout noté. Alors, certaines choses, je les ai pris en compte, d'autres non. Parce que je ne pense pas que ça soit vraiment important, certaines choses. Comme on m'a parlé de fond vert, on m'a parlé de mettre un fond derrière la cam. Alors ça, il en est hors de question pour le moment. Je ne ferai pas ça. Pour le moment, ça va très bien. Mais on va prendre dans l'ordre un peu ce que j'avais à vous dire. Alors notamment les changements, mais notamment aussi les petits événements, les petites choses qui se sont passées entre tout ça, entre temps. Donc je vais afficher quand même le GPS, voilà, un peu plus près. Donc on a Le Mans, Angers, Rennes, non, on continue tout droit, tout simplement, voilà. Alors j'affiche, bien sûr, comme d'habitude, mon aide-mémoire qui est à côté. Voilà, alors normalement c'est bon, je suis sur la bonne route, on va accélérer quand même un petit peu parce qu'on a 60 km/h. Je fais gaffe, il y en a qui essayent de me doubler derrière, mais tant pis, hein, ils vont suivre le rythme. Pas trop le choix, je vais agrandir le GPS, comme ça je vais voir si je dois tourner et m'y prendre à l'avance. Non, c'est bon. Alors, tout d'abord, un petit clin d'œil à la Mazinger Hot Rock Shop, même si j'ai plus la CB, j'ai voulu préparer quelque chose avec la CB, mais ça n'a pas marché, puisque l'appli ne fonctionne plus. Donc, ce que j'ai fait, ben voilà, j'ai pris des notes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, première chose dont je voulais parler, c'est tout simplement les 2 ans de la Mazinger Hot Rock Shop. Donc, c'est sûr, certains, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'en font pas partie, ça n'aura pas une grande importance. Mais, moi, je tiens à le signaler. Et un petit coucou à toute l'équipe de la Mazinger Hot Rock Shop d'AETS qui a 2 ans. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, ça tient. Et c'est déjà très bien, il faut déjà s'en occuper. Donc un chapeau bas Jérôme90 qui s'en sort très bien avec toute son équipe, avec Fred et de nombreuses autres personnes, et plus toute l'équipe habituelle que je côtoie habituellement, comme je vais pas les dire. J'allais dire Yoshi, Passringer, Gwened 2010 qui n'est plus là, mais bon, à qui je pense souvent parce qu'il a fait d'énormes choses pour la Mazinger Hot Rock Shop. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil, la Mazinger Hot Rock Shop a 2 ans. Voilà. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Et petit clin d'œil, bien sûr, enfin un gros clin d'œil au chef poteau Jérôme90, voilà, le fondateur de la Mazinger Hot Rock Shop. Alors, je regarde en même temps parce qu'on arrive à un péage, je fais gaffe, j'ai une voiture à côté de moi. Vous voyez, je m'en sors quand même pas trop mal, même si avant je faisais des zigzags à gogo. Mais là, c'est pas le cas. Alors, je vais quand même essayer de me mettre... Ça freine pas. Alors là, je me suis arrêté net et heureusement, c'est la remorque. Bon, ça fait pas très réaliste, mais heureusement que la remorque m'a arrêté net parce que je fonçais direct dans la barrière. Bon, on va dire que j'ai freiné, j'ai pilé. Non, c'est que j'ai pilé, c'est pas la remorque. Et regardez, ça prend pratiquement la largeur. Hein. Mais j'espère que je vais pas en avoir 50 TPH comme ça. Hein. Hop, je vais essayer de filer droit. Non, 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 passe ici. Voilà, parce que là, la remorque, elle est en train de monter. Allez, accélère, accélère, accélère. Ça devrait aller. Ouais, c'est bon, c'est passé. Wouh, eh bien, c'est chaud, hein. C'est quand même très, très chaud. Bon, alors, ensuite, on y va.
Les petits changements par rapport à la vidéo numéro 35 et 36, sachez que ce sont des changements qui m'ont été proposés par vous-même pour que j'améliore un petit peu la qualité des vidéos. Alors la qualité, mais surtout la présentation, on va dire. Donc, premièrement, vous avez dû le remarquer, la taille de la cam, ça a été un reproche que vous m'avez fait, qui a augmenté. Donc, elle est normalement passée de 11% à 13%. Alors certes, c'est pas grand-chose, mais sachez que ça a grandi un petit peu plus. Et surtout, sachez aussi que c'est pas le but de me montrer avant tout. Le but, c'est que vous me voyez, comme je vous ai dit, dans la 35 et de la 36, c'est de me voir et de vous mettre une image, une tête par rapport aux paroles que vous avez, pour la plupart qui me suivent depuis un petit moment. Une voiture arrêtée là, ouais, c'est bizarre. Voilà, ah mais c'est le gars, il était en train de prendre une photo sur le pont, j'avais pas fait gaffe. C'est pas mal ça. Petite chose à noter. Donc voilà, la cam a augmenté, mais ce n'est pas, je le répète, dans le but de me voir, parce que ça, je m'en contrefous. C'est de me voir, mais pour vous mettre une image par rapport à la voix que vous avez entendue auparavant. Voilà, c'est uniquement pour ça. Donc elle est passée de 11 à 13%. Sachez que déjà à 11%, j'hésitais à l'augmenter. Là, elle est passée à 13%. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient ou pas. N'hésitez surtout pas. Ensuite, au niveau de l'éclairage de moi-même et de derrière, je me suis pas trop attardé dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que dans les montages, on me voyait assez. Peut-être pas dans les premières vidéos que j'ai fait avec la cam, lors de la vidéo numéro 35 et 36. Mais dans cette vidéo-là, normalement, le jour est assez correct derrière. Même si vous voyez l'horloge, le ci, le là, bon, ça, tout ça, on s'en fout. En plus, j'étais chez le coiffeur, rien que pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Non, pas rien que pour vous, mais il fallait que j'y aille. Sinon, j'allais commencer à me mettre des bigoudis et me faire des tresses. Donc, j'ai plus rien, hein, j'ai tout. Et normalement, après, je chope la crève. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous me voyez, le but, c'est ça. J'ai même fait une petite déco. J'en profite pour passer au sujet suivant. La petite déco au niveau de la cam que vous voyez. Il y a deux barres orange. Alors, j'ai mis ça par rapport un petit peu au logo que j'ai fait. J'ai refait aussi le logo L7C Fox avec marqué le logo AETS. C'est pareil, tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient, si ça vous plaît ou pas. Je regarde en même temps dans le rétro si la remorque est toujours là. C'est bon, j'essaye de rien accrocher parce que croyez-moi, ça double. Alors, je roule pas vite parce que je parle, c'est parce que je pense que ça fait du plus de 20 ou 30 tonnes, je crois. Donc c'est assez chargé, c'est assez corsé. Oula, Le Mans, Paris, Le Mans, Angers. Ok, donc on va avoir une boucle. On verra ça, on va voir ça quand on va arriver dessus. Waouh, la voiture. C'est bon, elle est passée ou elle n'est pas passée? Là, je ne sais même pas si elle est passée. Hop, il faut que je passe, moi par contre. Allez, on va se remettre vite là. C'est bon, non. Ouh là 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 là, j'ai bouffé un peu la rambarde. Ouh, je crois que j'ai abîmé le pare-choc du Volvo. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'était... C'est parce que, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, je fais partie aussi du service technique des autoroutes. Donc, dès qu'il y a un peu trop d'herbe, voilà, ok. Dès qu'il y a un peu trop d'herbe, je ratiboise. Ah ouais, je touche pas mal. Hein. Alors, désolé, je touche pas mal. Mais c'est que tout simplement, on va dire que je freine. On va dire que j'ai encore freiné. C'est que tout simplement, c'est super large, quoi. Je m'attendais pas à ça. Regardez un petit peu. Si on fait, même si je me recale un petit peu... assez large et heureusement que j'ai fait une vue extérieure. Alors j'essaye de moins en faire, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est super large, super large. C'est là où j'ai peur quand ça arrive dans des trucs comme ça. Ouais, c'est bon, ça a touché, vous voyez, hein, ça a touché même avec le visu extérieur, ça a touché. Donc on continue pour pas perdre de temps. Donc je vous l'ai dit, la cam est agrandie. J'ai fait des petites modifs. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rajouté deux barres. J'ai essayé de faire un petit quelque chose présentable, voilà, sans faire un overlay complet sur la page. Ensuite, donc l'éclairage de moi-même, je verrai. Je ne dis pas que je resterai comme ça. Je vais voir. Pour le moment, ça me paraît sympathique. Bon,
On a un visu derrière. Bon, pour le moment, à la maison, à cette heure-ci, il n'y a personne. Il y a juste le fiston qui est dans sa chambre. Mais Miss n'est pas là. Donc, j'en profite. C'est sûr que si elle n'arrêtait pas de passer derrière ou quoi que ce soit, c'est pas que je voudrais pas qu'on la voie. C'est pas ça. Mais déjà, je pense qu'elle ne voudrait pas. Après, je respecte son choix. C'est juste le fait que, comme ça, je peux vous présenter quelque chose sans qu'il se passe toute une vie derrière qui n'est pas intéressante et qui est surtout intéressante par rapport au jeu, puisque c'est le but de filmer en même temps que le jeu. Je continue tout droit, c'est bon. J'ai peur parce qu'à chaque fois qu'il double, j'ai vraiment peur. Alors aussi, arrêtez de parler. J'avais noté tout simplement qu'il fallait qu'absolument, et ça vous me l'avez souligné, de moins le faire, d'arrêter, de moins parler au début de chaque vidéo, parce que c'est pour ça que je n'avais pas le temps de terminer mes livraisons. Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte et que je parlais des fois trop, jusqu'à 5 minutes. Alors c'est sûr que c'était pas évident, mais là c'est vrai que ça me fait bizarre de tout expliquer tout en roulant et en faisant attention. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu après tout. On va prendre la voie de droite. Ça fait partie du jeu de vous expliquer tout ça tout en roulant. Que si je passe mon temps vous expliquer au début, mais c'est vrai qu'au début je prenais plus de temps parce que je regardais mon iPad et tout. Mais là je le regarde tout en roulant et comme j'ai réglé mon volant et tout, donc j'arrive à mieux m'en sortir. Donc voilà, alors ça c'est pour ça qu'on a attaqué directement. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si ça vous convient de démarrer aussi sec plutôt que d'avoir une vue et puis de rouler tout simplement, de ne pas rouler, d'attendre que je démarre au bout de 5 à 10 minutes. Voilà, alors c'est vrai que certains endroits, quand on aura certains endroits dans la promode, même si on est toujours au niveau de l'automne, ça je vous en parlerai tout à l'heure, c'est vrai que même si j'ai un cadre quand même qui sera bien, mais je pense que on y regardera quand même. Je m'arrêterai peut-être un peu, je démarrerai peut-être pas tout de suite. En fin de vidéo, on prendra le temps. On verra ça. Là, je pense pas qu'on arrive parce qu'il nous reste 403 km. Il me reste à peu près, on est à la moitié de la vidéo à peu près. Je vais pas faire long. On va se limiter entre 25 et 30 minutes. Ça suffira largement. Voilà. Donc, lui m'est rentré dedans, mais d'une force. L'accident, je pense. Je vais mettre les warnings. Oh ben là, alors là, le Volvo, il a pris une figue, mais terrible. Je vais redresser le camion pour qu'ils passent tous. Ah ouais, la voiture, je sais plus laquelle c'est. Ah ouais, je sais pas si c'est pas elle ou elle peut-être. Oh le vol qu'il y a eu. Bon allez, on y va, le camion me laisse passer. Merci à toi. Là j'ai déconné. Mais enfin je sais pas si c'est. Je sais pas, il faudra que je re-regarde. Il faudra que je re-regarde ça parce que franchement ça a shooté sévère là. Aïe. J'ai déconné là un petit peu là. Bon. Alors j'en étais où? Voilà. Bon, idée logistique là, vous rigolez pas, les queues de poisson, j'aurais pu te faire un appel de phare, ça aurait été peut-être un peu mieux. Alors, hop, voilà, je vais mettre juste, voilà, les veilleurs, enfin les feux de position, les feux de position, exactement, c'est ça. En plus, j'arrête en plein dans la vidéo, je vous montre tous les réglages et tout. C'est bien les feux de position, c'est ça. Oula, il va falloir que je regarde mon code, moi. Donc, bah, enfin, en même temps, ouais, puis de la conduite, vous venez de le voir. Bon, un accident. Je pense que la voiture est restée sur le bas-côté. Moi, je sais pas combien j'ai subi de dégâts, on verra ça après. Voilà, donc, le fait d'arrêter de parler 5 à 10 minutes lors des débuts des vidéos, ça s'est pris en compte. Voilà, c'est pour ça que j'ai démarré tout de suite. Ensuite, on a le fait de la radio, est-ce qu'elle est trop forte ou pas? Je l'ai augmentée un petit peu. Beaucoup, enfin plus de monde m'ont dit qu'elle était nickel. D'autres m'ont dit pas trop fort, d'autres m'ont dit un peu trop fort. Alors, je l'ai montée légèrement. Alors certes, moi là, je l'entends pas beaucoup. Je sais que quand je fais mon montage, c'est augmenté un petit peu plus, légèrement. Donc n'hésitez pas à me dire si ma voix est vraiment trop forte par rapport à ce qu'on entend en radio. Ou si tout simplement. Oula, passe. Il faut que je me remette là. Voilà.
Punaise, heureusement que j'ai regardé parce que sinon je serais parti en bas. Voilà. Donc la radio est légèrement un petit peu plus forte. Je fais gaffe à la voiture. Non, c'est bon. Donc normalement ça devrait aller. C'est que je veux pas mettre trop fort non plus pour qu'on se retrouve avec un truc qui soit assourdissant et qui soit vraiment gênant. Ensuite on va arriver sur la partie des modes. Sur la partie des modes qui sont mis à jour depuis peu, depuis la vidéo 36, j'ai mis des modes à jour. Et on m'a posé la question et on m'a dit surtout attention L7C Fox, parce que ça, tes vidéos paraissent plus fades. On dirait que le Sweet FX n'y est plus. Alors oui, le Sweet FX seul n'y est plus. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à capturer avec Action Mirilis quand il y avait le Sweet FX seul. Par contre, comme j'ai le Brutal HD Environnement en version 11.1, il a dedans, il y a d'inclus le Sweet FX. Alors certes, c'est un peu mieux que s'il n'y était pas, mais ce n'est pas la qualité que j'avais quand j'avais le Sweet FX seul. Alors au détriment de vous mettre la webcam et tout, puisqu'avant je capturais avec Fraps. Maintenant, si moi je me suis dit, vaut mieux que je mette la cam. Et comme ça, oula, j'ai touché, mais j'ai touché quoi? Ah, j'ai pas vu encore, mais j'ai touché encore un truc. Je ne sais pas du tout ce que j'ai touché. C'est pas les voitures derrière, non, ça a l'air. J'ai dû toucher la rambarde. Hein. Oh là 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 là. C'est pas que je fais pas attention, pour moi ça passe, parce que franchement, j'arrête pas de regarder. Hein. Pour moi, tout passe nickel. Hein. Et je me rends compte que non. Hein. Alors tant pis, je prends la largeur de la route, mais bon, là, franchement, j'ai pas le choix. Bon, oula, il y a une manif, il y a quoi là? Il y a un convoi. Alors ça doit être les convois, j'en parlerai tout à l'heure. Alors on était sur les modes, oui, exactement, on était sur les modes. Et j'ai mis, voilà, je n'ai pas remis depuis la vidéo numéro 35 et la vidéo numéro 36. Le mode Sweet FX, mais bon, comme il est inclus dans l'HD environnement, le Brutal HD environnement que j'ai en version 11, de toute façon, vous aurez vu en début de vidéo tous les modes comme d'habitude. Alors, je les aurais mis et je les ai placés différemment, puisqu'avant je prenais le temps de vous parler. Là, le but c'était de vous présenter les modes au fur et à mesure. Enfin, vous les avez vus. Allez, on va se mettre ici. On va quand même faire une vue extérieure. Et après on terminera. Alors je freine, je prends le temps de freiner, parce que croyez-moi, c'est autre chose hein. C'est pas comme fut un temps où ça passait nickel suivant les remorques. Là je peux vous dire que ça passe d'un poil de fion. Là ça passe, mais c'est juste. Voilà, alors dans les modes, ce que je voulais vous dire aussi, maintenant que je vous ai dit pour le Sweet FX, j'ai mis dernièrement à jour le mode Real Company en version 2.1. On va changer de radio parce que c'est un peu mou du genou. Et j'ai énergie, je crois que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Nostalgie, le rock, top musique, Strasbourg. Alors ça c'est par les favoris. Je sais pas ce que j'ai été sélectionné là. Bon, on va laisser ça pour le moment. Hein. On va laisser ça. Donc oui, comme je l'ai dit, hop, faut que je tourne. Ça je l'ai pas dit, mais Alors, c'est pas évident pour moi, hein. M'en veuillez pas si c'est un peu fouillis au niveau du commentary. Commentary, enfin en gros, hein, c'est pas que c'est fouillis, c'est que j'essaye de tout vous expliquer. Alors, au niveau des modes, ajout du mode Real Company en version 2.1. Alors, il y était, je l'avais enlevé pour la vidéo 36, là je l'ai remis, il y a eu une mise à jour. Aussi, mise à jour du mode trailer, un cargo pack de Jazzy Cat qui est passé en version 2.8. Il y est actuellement. Alors, est-ce que c'est pour ça que l'IA est un petit peu différente par rapport aussi que je regarde, ouais, l'IA trafic, puisque j'ai ajouté aussi de Jazzy Cat l'IA trafic en version 1.8. Alors à ne pas confondre, j'ai tout ce qui est pour les remorques, cargaison, c'est le cargo pack de Jazzy Cat en version 2.8. Et après j'ai rajouté l'IA trafic de Jazzy Cat aussi. Tiens, je vais un peu. Ouh, ACDC, très bon ça, très bon. Voilà, de Jazzy Cat en version 1.8. Voilà. Et bien sûr, pour terminer, on a toujours l'automne en mode automne en version 7. Version 7.
qui permet de voir comme vous avez à l'écran. Alors moi ça me plaît pas, moi je vous le dis franchement, ça me plaît pas beaucoup, mais c'est un mode qui marche bien, qui marche très bien. J'ai pas eu de problème de texture ou quoi que ce soit. On peut faire un visu extérieur tant qu'on ne tourne pas ni rien. Regardez, alors je vais agrandir la cam, je vais essayer de rester droit, voilà, et regardez, ah, on arrive à 18h52, il va peut-être falloir que je mette les feux, voilà. Alors j'essaye d'accélérer un petit peu, on est à 60 km/h. Vous voyez tout cet effet de d'herbe séchée, on dirait une fin d'été, ou même des fois pendant l'été quand ça crame vraiment bien. Regardez-moi ça, c'est vraiment tout cramé, il n'y a pas de verdure. Depuis que j'ai la canne, de toute façon on n'a pas vu la verdure. Allez, on repart dedans, ouais, je suis bien en code. Voilà, donc pour les mises à jour des modes, je vous l'ai dit, plus vous avez eu tout au long de la vidéo, les modes que j'utilise, voilà. Donc on va rester sur l'automne, toujours pareil, malgré que j'aurais bien aimé voir la verdure avec ce HD Brut à l'environnement 11, que je n'ai pas vu encore, hein, puisque je vais essayer de suivre les saisons. Après on va arriver, on va arriver à l'hiver, et au niveau de la neige et tout, je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, donc suite à ça, je vais me réserver pour la fin pour les dédits, parce que j'ai 1, 2, 3, 4 dédits à vous faire, et ça me fait extrêmement plaisir. Et en même temps, puisque je vous ai à peu près tout dit de ce que j'avais relevé des commentaires par rapport à la vidéo numéro 35 et 36, je voulais vous dire que dernièrement j'ai fait un convoi en multijoueur. Avec beaucoup de youtubeurs vraiment sympathiques, et je leur fais un coucou à tous. Il y avait pour commencer, alors je vais peut-être pas dire dans l'ordre, mais surtout je voulais vous dire, il y avait Nikosov, il y avait Kevin de la chaîne Multimédia 23, il y avait Titi du Eurotruck, il y avait désolé à toi. Il y avait Kev L, voilà, plus exactement. Accident. Oh non. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Ah, j'ai dû accrocher, oui, j'ai dû accrocher. Bon, décidément, là par contre, j'ai pas fait attention. Ouais, là j'ai pas fait attention. Donc, il y avait Kev L. Nikosov, je l'ai dit. Il y avait Waka. Alors il se reconnaîtra, il y a une autre partie de son pseudo. Enfin, il y avait pas mal de youtubeurs. Je voulais les remercier vraiment, parce qu'on a passé un bon moment, c'était dimanche dernier. Franchement, on a passé un excellent moment. Hop, faut que je tourne, Reims. Et je pense que prochain endroit, c'est-à-dire prochaine station ou air de repos, on va s'arrêter. Je vais me mettre un petit peu plus de ce côté. Voilà. Ouais, on a un endroit pour se poser. Et on va se poser. Comme ça, je pourrais faire les dédits. Alors, sachez que ce qu'on voit, il y a Titi du Eurotruck, Kevin de la chaîne Multimédia 23, plus Titi du Eurotruck et Nikosov, qui ont fait des vidéos, et ces vidéos je les ai mis en partage sur ma page Facebook de LCC Fox Multi Gaming. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'avais fait capturer, attendez, j'essaye de me concentrer pour passer au mieux. J'avais capturé, et franchement le rendu était pas top, parce que avec la cam et tout, enfin ça n'allait pas du tout. Donc je n'ai pas mis en ligne cette vidéo. Je sais que Kevin m'a demandé absolument de la mettre. Je verrai, je sais pas si je la mettrai. Franchement, ce que vous avez fait les gars, c'est beaucoup mieux que moi. Donc ah, je suis bloqué. Ouais, je suis juste bloqué. Ah, salut. Ah oui, non, pas salut, c'est que c'est que je gêne. Oui, bon, ça va, hein. Il est pas content le gars, hein. Bon, je vais mettre les warnings et on va essayer de trouver un endroit, mais juste ici d'ailleurs, hein, voilà, hein, on va pas s'embêter, on va se mettre juste ici, au moins si on pourrait se garer.
Voilà, je me concentre, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Et puis en même temps, ouais, ben voilà, ben ce qu'on va faire, en même temps, pour terminer la vidéo, on va faire tout simplement ben, les Didi. Et je vais vous dire, les Didi aussi, dans la petite nouveauté, ce qu'il y a. Alors certes, c'est peut-être pas grand-chose, mais je pense que ça fera toujours plaisir. Voilà, regardez-moi ça si on est bien garé. On n'est pas bien là, je vais couper le moteur. On va enlever le GPS. On va enlever le rétro. Hop! Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Voilà, allez, on va rester sur cette vue. Comme ça, on aura le camion. Voilà, on peut même rester comme ça. On aura un peu les camions. On verra les camions qui vont partir sur le fond là-bas. Voilà, allez, on reste comme ça. Si par contre, j'aurais peut-être pu couper les gyros. Hop, puisqu'on est arrêté, on va laisser les feux de position. Voilà, on va rester sur du Alain Souchon. Alors, non mais dites donc. Allez, je vous dis les dernières choses. Voilà. C'est quoi ce bordel là qu'on entend? Il y a un train. Ah mais il y a un train en plus. Juste, il y a le TGV qui vient de passer. Je me disais mais c'est quoi ce bordel? Donc voilà. Alors les dédits. Tout d'abord, Titi du Rotruck qui m'a demandé une dédie. Mais merci à toi. Et oui, cette dédie, voilà, mais elle est faite pour toi, Titi du Rotruck. Et puis en même temps, je vous dirai à la fin. Non, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant. Je viens de dire la dédie de Titi du Rotruck. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens des dédies demandées. Voilà, moi je trouve que c'est le retour que je peux faire. Déjà, je trouve sympa qu'on me demande de faire une dédie. C'est vraiment sympa. Et en plus, eh bien, ce que moi, je vais faire maintenant, c'est que dans la description de la vidéo, je vais mettre les liens des chaînes, des youtubeurs, enfin des youtubeurs, des personnes qui m'ont demandé des dédies. Donc, Titi du Rotruck, tu auras bien sûr le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo, dans la partie dédie que je mettrai, je ne sais pas où, dans la description. Ensuite, on a de Kevin, la chaîne Multimédia 23 qui m'a demandé de lui faire une dédie. Je lui fais aussi une dédie. Voilà. Aussi, bien sûr, il y aura la chaîne YouTube de la chaîne Multimédia 23 dans la description de la vidéo. J'avais une demande de Dark Orbital. Dark Orbital qui me suit, qui me met des messages de temps en temps. Merci à toi aussi. Tu auras le lien de ta page YouTube. Alors, je vous le précise, précisez dans la dédie aussi, puisque vous connaissez maintenant le concept, si vous préférez la page YouTube ou la page Facebook. S'il n'y a rien sur la page YouTube, je mettrai la page Facebook, si c'est une page Facebook. Malheureusement, s'il n'y a pas de Facebook, pas de page Facebook, pas de page YouTube, je ne mettrai je mettrai rien, je mettrai juste le nom sans lien, voilà. Et pour terminer, la dernière dédie de Kev L, non pas de Kel V comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, merci à tous, merci à vous quatre. Kev L, tu auras aussi bien sûr le lien de ta page dans la description de la vidéo, de cette vidéo numéro 37. Merci à vous, merci à vous. Ça me fait énormément plaisir. On se dirige droit sur les 1400 abonnés. Alors, on va faire un petit visu quand même. On va changer de vue. C'est quoi que j'ai mis comme radio? Je sais même plus ce que j'ai mis comme radio. Voilà, voilà tout ce que j'aurais pu vous dire. On a dépassé un petit peu du temps. Ouais, on a dépassé. On a 33 minutes. J'aurais dépassé de quelques minutes. Mais bon, je tenais à vous dire absolument mon point de vue sur tous les messages que j'ai pu récupérer, de tout ce que vous m'avez laissé, tout ce que j'ai pu noter. Je vous raconte pas de conneries, je vais vous le faire voir. Tout est là, regardez, tout est ici. J'ai tout noté, j'ai pris le temps de tout noter, tout noter, tout noter. Même les dédits, regardez, elles y sont. Et oui, tout y est, je ne raconte pas de conneries. Sweet FX, le son un peu... J'ai pris le temps de tout lire. C'est pour ça que ça va être compliqué pour moi de sortir la vidéo numéro 38 la semaine d'après. Je vais faire mon possible pour la sortir, je vous garantis rien. Et lors de la vidéo numéro 38, je vais vous l'annoncer, je parlerai de Farming Simulator 2015. Voilà, je n'en parle pas maintenant parce qu'il faut que je garde un sujet important pour la prochaine vidéo. Et croyez-moi, je vais avoir des choses à vous dire et à vous demander.
Voilà. Hein, c'est pas un jeu télé-réalité, mais je vais vous demander, vous qui me regardez, vous là, oui, qui me regardez, maintenant que vous vouliez me voir, parce que certains voulaient me voir. Ah ben, il faut faire avec, les gars, hein, parce que non seulement je cause beaucoup, comme rappelez-vous le petit commentaire que j'avais eu de je ne sais plus qui, parce que j'avais pas dit le nom la dernière fois, qui m'avait dit tes vidéos sont nickel, mais tu parles trop, ça me saoule. C'est mémorable. C'est là le commentaire de l'année et ça, j'en démords pas. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé sur cette vidéo numéro 37 que je tenais tant à faire pour vous expliquer un peu tout ça. On se retrouve pour la vidéo numéro 38. Je vais essayer de la placer la semaine d'après. Ça va être très dur, mais je vais essayer. Voilà. Toujours le let's play de Watchdog. On arrive sur la fin. N'hésitez pas à aller le voir. Hein, n'hésitez pas à voir ma page YouTube, à me proposer aussi si vous avez des idées de jeu. Notamment, je vous parlerai dans la vidéo numéro 38 de Farming Simulator 2015. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Hein, vous avez peut-être déjà compris. Je l'avais déjà annoncé. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. On a dépassé. Je suis à la bourre. Je vous laisse là. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 38. Ciao à tous. Salut. 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 Salut.